Bon les gars, je vais vous passer un petit son de R&B là. Je voulais vous passer du jazz, mais au final, non, je suis revenu sur ma décision parce qu'en fait, j'ai une artiste de R&B que j'avais écoutée et j'aimais beaucoup le rendu là sur les enceintes, en particulier sur les Serving Vega. Et c'est le R&B, je kiffe toujours ce style de musique, mais tu vois, vraiment le R&B un peu love, c'est t'as de la voix et t'as. Les instrus sont très très bonnes, sont très envoûtantes. C'est très reposant et à la fois jouissif. Donc je te fais écouter ça tout de suite et tu me diras ce que t'en penses. Allez, c'est parti. Du R&B les gars. R&B, voix féminine. C'est pas mal hein, les gars, vous avez vu un peu ces deux enceintes, elles sont agréables hein. Les deux sont agréables, moi je franchement j'aime bien les deux, j'aime bien les deux, j'ai c'est des plaisirs différents, voilà, c'est des plaisirs différents. Et mais la Serwin Vega, qu'est-ce qu'elle est, elle a beaucoup d'ampleur, elle en a de l'ampleur hein, je peux te le dire. D'ailleurs quand tu regardes, tu vois, au niveau paplard là, sur les caractéristiques, l'enceinte elle fait quand même, elle est à 38 que je dise pas de conneries, je sais plus si c'est 30, elle descend à 38 Hz, à plus ou moins 3 dB. Et la Magnat, elle a annoncé pour je sais plus combien. En dessous de 30 Hz, je crois. Ou, enfin, je sais plus combien la Magnat. C'est pas 16 Hz? Enfin, je sais pas, mais sur le papier, l'annonce, elle est énorme, quoi. Tu peux pas avoir du en dessous de 20 Hz. Enfin, je sais pas combien à moins combien de dB, mais ça doit être à moins 30, moins 40 dB, même voire plus. Mais voilà, là, tu le sens direct. Tu sens que le grave, de toute façon, le sous-grave, c'est quelque chose qui est physique. Donc tu peux pas forcément l'entendre comme ça. Je sais même pas si à travers la caméra, tu peux le ressentir, mais moi je l'entends très bien. Enfin, je le ressens très bien, parce qu'on peut pas dire qu'on l'entend.
Et voilà, les Serena Vega, elles assurent hein, en ce domaine-là. Et même au niveau, tu vois, du médium, le médium, là, quand on écoute sur la voix féminine, c'est vrai que les maniates, elles sont assez. Elles sont plutôt. Elles sont assez suaves, contrairement à la Serena Vega, où justement, donc, le son est plus plein. Et on va essayer de passer après un son avec une voix masculine, tu vois, genre un peu. Ouais, une bonne voix de rocker, on va voir. On va voir la différence. Mais tu vois, toutes ces petites similitudes, c'est important parce que c'est des petits détails qui font vraiment de grosses différences. Surtout à l'écoute. Et c'est pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable. Donc voilà, les amis. Je vais vous faire écouter un petit son. Je vous avais dit du jazz. Ouais. Bon, ce sera pour la prochaine, alors, le jazz. Mais là, je vais essayer de trouver un petit son avec une voix masculine.